Je suis Karine Laborie, chef du service des musées pour le département du Tarn. Le texte que j'ai choisi de vous lire est issu du recueil de poésie « L'errance » de Cécile Coulon. Il s'intitule « Courir ». La course, la vraie, celle qui ne s'embarrasse ni d'écriture technique sur le sujet, ni d'éléments numériques pour mesurer le corps et ce qui palpite à l'intérieur. La course, la vraie, est comme la poésie ou l'amour véritable. Elle n'exige rien d'autre que l'essentiel. Malgré tout, pour elle, l'essentiel, c'est déjà trop. À mi-chemin de la merveille et du désastre, les muscles déchirés, raides, et transis par mille blessures volontairement infligées, la course est un scandale parce qu'elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Elle suit les animaux, s'accroche à la robe des falaises, aux arbres morts sur les plateaux. La course, la vraie, pas celle de ceux qui souhaitent adoucir les traits de leur visage, les excroissances de la graisse, pas celle de ceux qui cherchent à abandonner une partie de leurs excès, la course, la vraie, est une écharde plantée dans la pelote du soleil, à l'aube, quand seuls murmurent les chevilles enflammées par 20 années d'impatience et de fièvre, quand le corps se tend jusqu'à effleurer la paume ouverte du ciel avec cette sensation si douce de ne vouloir jamais, jamais redescendre. Courir, c'est ruisseler de douleur, de la gorge au talon, des poumons aux genoux. Choisir d'abandonner au paysage, à la vitesse, tout ce qu'on ne sait pas faire de soi. Parcourir la courbure de l'horizon, comme on laisse traîner ses doigts sur une peau craquée par l'hiver et la fumée des maisons basses. Courir, c'est admettre que nous n'irons pas plus loin que le bout de la terre. Jusqu'à la fin, le reste est un grand vide que nous voudrions voir, ne serait-ce qu'une fois dans l'existence, quitte à s'évanouir longtemps, emporté par ces stupides transhumances, pendant lesquelles j'ai la chance d'oublier, de rompre ces jambes gaspillées au quotidien en attente débile, en montée et descente de train. La course, la vraie, est une manifestation d'indifférence. Ce n'est pas grave de ne pas y arriver. Ce n'est pas grave de s'écrouler sous la pluie. Ce n'est pas grave de sentir la peau pleurer par tous ces yeux disponibles. Courir, c'est brandir un drapeau troué pour dire qu'il ne nous reste que ça. Et encore, les groupes publicitaires voudraient nous l'enlever. Cet acharnement à mourir plus vite que la moyenne, à creuser, gonfler, puis de nouveau creuser son ventre, s'élancer à l'assaut des falaises, des pistes et des trottoirs mouillés. La course, la vraie, est une fureur carnivore. Un astre brûlant caché dans les jointures du corps. Elle grince la nuit comme un miracle froissé. Une force qui surgit, à laquelle nous sommes forcés de croire, puisqu'il n'y a qu'elle qui puisse suspendre au crochet des montagnes des femmes et des hommes emplis de cette beauté brute qui ne supporte ni la lenteur, ni les cris, ni ces bouquets d'amnésie qu'on s'offre pour éviter d'avoir mal. Courir, c'est le langage des ténèbres, né dans une bouche humide de sueur, de larmes et de salive. À l'heure où les familles passent à table, où les enfants vont dormir et les vieillards s'efforcer de survivre, la course, la vraie, s'ébroue dans la pénombre et ses lucioles en fureur font un cortège immense aux paupières de la nuit. Bonjour, je suis Valentine Poujol, guide médiatrice au sein du musée départemental du textile et je vais vous lire une notice qui a été conçue dans le cadre du programme Une histoire de l'art antique inachevée, les dessins de Jean-Baptiste Muret, menée de 2017 à 2022 par l'Institut national d'histoire de l'art mais aussi par la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit d'une notice traitant de l'iconographie gréco-romaine, d'Hermès ou de Mercure, et de comment ce dernier était représenté. Hermès, ou Mercure, est aussi aisément reconnaissable à son accoutrement, constitué de vêtements traditionnellement associés au jeune homme et au voyageur. Sur la tête, il porte un pétase, chapeau à large bord qui protège des intempéries et du soleil, utilisé aussi par les éphèbes au gymnase, dont le caractère divin est apparent par la présence des ailes sur les côtés, symbole du voyage
et de la célérité du dieu. Sur les épaules, Hermès porte une chlamyde, la cape des jeunes soldats et des messagers, attachée à droite par une fibule. Sur les pieds, le dieu chausse souvent ses pédias en grec ou ses talaria en latin, sandales de palme et de myrte qui lui permettent de voyager à la vitesse du vent, une rapidité qui est symbolisée par les ailes que l'iconographie fait souvent apparaître à ses chevilles. Parfois, pétase comme talaria peuvent disparaître pour ne laisser que ses petites ailes émergeant directement des cheveux du jeune dieu ou attachées à ses chevilles. Bonsoir, je m'appelle Myriam Devalette, je suis chargée du développement des publics au sein de la conservation départementale des musées du Tarn, qui est un service du département du Tarn. Pour cette nuit de la lecture 2024, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre de Julia Anders sur le charme discret de l'intestin. Surpoids, dépression, diabète, maladie de peau, et si tout se jouait dans l'intestin ? Au fil des pages de son brillant ouvrage, Julia Anders, jeune doctorante en médecine, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à négliger, voire à maltraiter. La personne qui m'a offert ce livre à Noël, je pense, faisait également preuve d'humour. Voici l'extrait. Le rôle de la flore intestinale. Nous racontons parfois à nos enfants des mensonges plus gros qu'eux. Je pense par exemple au mensonge du bonhomme barbu qui, une fois par an, pointe son nez et sa hotte pour offrir des cadeaux aux enfants avant de repartir sur un véhicule à la croisée du tapis volant et de la charrette à bœuf. Ou à l'histoire des cloches qui larguent des œufs en chocolat dans nos jardins. Il nous arrive même de déformer la réalité sans même nous en rendre compte. Par exemple, quand nous donnons la béquée, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour tonton, une cuillère pour tata. Pour être scientifiquement correct vis-à-vis de nos enfants, nous devrions dire « Une cuillère pour toi, mon chéri. Une petite partie de la prochaine cuillerée pour tes bactéries bactorioïdes. Une autre petite partie pour tes bactéries prévotella. Et encore une minuscule portion pour les autres micro-organismes qui se sont mis à table dans ton ventre et attendent sagement d'être servis. » Par la même occasion, nous pourrions aussi transmettre nos amitiés aux collègues microbes qui nous assistent dans notre tâche nourricière. Quand nous donnons à manger, bactéroïdes et co, dans le ventre de l'enfant, tendent elles aussi de petites cueillerées remplies de bonnes choses. Et elles le font sans distinction d'âge. Longtemps après que nous avons atteint l'âge de raison, nos bactéries intestinales continuent de nous donner la béquée. Toute notre vie, elles vont traiter des aliments que nous ne saurions pas décomposer sans elles et partager les restes avec nous. Pourquoi le choix de cet extrait ? Je suis allée dernièrement en famille au Futuroscope à Poitiers et nous avons vu un film en 3D sur l'immensément petit et ses bactéries étaient évoquées. Je peux vous dire que c'est très surprenant. Nous n'imaginons pas ce que notre corps est capable de faire et de fabriquer et je trouve ça formidable. Je suis Véronique Malfette, responsable du musée mine départemental de Cagnac-les-Mines. J'ai choisi de vous lire deux extraits de l'ouvrage de George Orwell, Le Quai de Vigan, écrit en 1937. Orwell, envoyé comme journaliste, nous décrit la dureté du quotidien des mineurs en Angleterre dans les années 1930. Il y a la chaleur, variable mais suffocante dans certaines mines, la poussière de charbon qui pénètre votre gorge et vos narines, s'amasse autour de vos paupières, et le fracas incessant du transporteur, qui dans cet espace confiné résonne comme le crépitement d'une mitrailleuse. Mais les chargeurs travaillent comme s'ils étaient de fer, et ils ont vraiment l'air d'être de fer, des statues de fer forgé, sous la couche lisse de poussière de charbon qui les enveloppe de la tête aux pieds. Il faut être au fond et voir ces mineurs à moitié nus pour se rendre compte des splendides types d'humanité qu'ils représentent. La plupart sont petits, une grande taille constitue un handicap en la circonstance, mais offre au regard un corps véritablement superbe. Des épaules larges, un torse évasé qui s'amincit pour rejoindre une taille fine et souple, un fessier petit et bien dessiné, des cuisses musclées, sans une once de chair en trop nulle part. Dans les mines où il fait très chaud, ils ne portent qu'un léger caleçon, des galoches et des genouillères. Dans les chantiers où l'atmosphère est suffocante, ils ne gardent que les galoches et les genouillères. Il est difficile de leur donner un âge au vu de leur seul aspect physique. Certains peuvent avoir jusqu'à 60 ou 65 ans, mais nus
et noircis, ils présentent tous le même aspect. Pour faire ce travail, il faut avoir un corps de jeune homme et une charpente d'officier de la garde, à tout le moins. Quelques kilos de trop autour de la taille, il serait impossible de conserver cette position perpétuellement courbée. On ne peut oublier ce spectacle après l'avoir contemplé ne serait-ce qu'une fois. Cet alignement de silhouettes agenouillées, noires de suie, qui enfoncent leurs énormes pelles dans le charbon avec une force stupéfiante et à une cadence infernale. Extrait numéro 2. Les visages exténués avec la suie qui s'incruste dans chaque repli de la peau ont une expression sauvage, féroce. Mais une fois nettoyés, ces hommes ne se distinguent guère du reste de la population. Ils marchent très droit, les épaules rejetées en arrière, comme pour réagir contre l'attitude perpétuellement courbée qui leur est imposée au fond. Mais ce sont dans l'ensemble des hommes plutôt râblés, pourvus de splendides charpentes qui se devinent même à travers les épais vêtements mal ajustés. On les reconnaît immanquablement aux marques bleues qu'ils portent sur le nez et le front, des marques que tout mineur emportera avec lui dans la tombe. La poussière de charbon qui sature l'air du fond s'insinue dans la plus infime écorchure, et en cicatrisant, la peau vient recouvrir cette poussière qui transparaît sous la forme d'une tache bleue, pareille à un tatouage. Et c'est bien d'un tatouage qu'il s'agit. On remarque ainsi chez les plus vieux des fronts marbrés comme des fromages de Roquefort. Je suis Virginie Massol-Crémer, chargée de collection à la conservation départementale des musées du Tarn, et j'ai choisi de vous lire un extrait du livre de Lydie Salvert, « Marcher jusqu'au soir », où elle raconte son expérience intime au musée Picasso, où enfermée une nuit, elle rencontre de nombreuses œuvres d'art, et notamment la sculpture de Giacometti, « L'homme qui marche ». Figurez la vie, cette merveille qu'est la vie, comme le disait souvent Giacometti. Figurez son mouvement, figurez le regard, non pas l'œil, mais le regard, et tout le ciel qu'il embrassait, et toute la vie qui dévalait en lui. Il disait « Rien de ce que l'homme fait ne vaut l'éclat d'un regard. » Il disait « Je ne sculpte que pour rendre le regard. » Figurez un visage et l'âme qui par les yeux s'en échappait, comme il se disait communément, figurez un visage comme s'il s'agissait chaque fois qu'il le regardait d'un visage neuf, comme s'il le découvrait pour la première fois, avec cette virginité, cet enthousiasme et cette curiosité qu'on envie aux enfants, que le moindre caillou émerveille, car ils voient tout en nouveauté et renaissent chaque matin. Figurez un visage constitué pour lui un projet devant lequel il ne pouvait qu'échouer. Un projet impossible au regard de la perfection rêvée. Un projet impossible autant que désirable et qui le requérait impérativement. Je me mis alors à carburer sur cette idée d'impossible que je ne pouvais plus lâcher, à croire que ça m'arrangeait. Pour Giacometti, notais-je toujours posé sur mon lit de camp, faire œuvre, c'était faire l'expérience de la limite de l'œuvre, de la limite de l'homme créant l'œuvre. C'était éprouver sa capacité à courir après une chimère plutôt que souffrir la hantise imbécile d'achever ce qui s'ébauchait. Il y avait d'ailleurs dans ce mot d'achever un rappel muet de la fin, de la mort, qui le rendait détestable. Giacometti disait très sérieusement « J'ai toujours échoué. Tout ce que je pourrais faire ne sera jamais qu'une pâle image de ce que je vois, et ma réussite sera toujours en dessous de mon échec ou égale à lui. » Il disait « Je voulais faire des têtes ordinaires, mais comme j'échouais toujours, je voulais toujours tenter un nouvel essai. » J'écrivis sur mon carnet « Giacometti voyait peut-être dans ses échecs une forme d'élégance aristocratique, dans un monde où la gagne la plus vulgaire commençait déjà à prévaloir sur tout le reste. » Mais il n'envisageait pas pour autant, poursuivis-je mentalement, et toujours mal assise sur mon lit de camp, il n'envisageait pas pour autant de lâcher la partie. Pas question de baisser les bras. Il fallait qu'il aille de l'avant, en pleine incertitude, en plein marasme, et quand bien même la chance de parvenir au chef-d'œuvre follement désiré n'était qu'infime. Il fallait qu'il continue d'échouer, avec courage, avec patience, avec un inflexible entêtement, jusqu'à atteindre un jour peut-être, ou peut-être jamais, le bord du grand secret. Je m'appelle Lucie, je suis étudiante en master et en stage pour 6 mois au service de la conservation des musées au département. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 du mois, et il lui restait juste en poche 3,40 francs pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner, ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous, au lieu de 30 que coûtait ceux du soir,
Il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1,20 francs de bonnie, ce qui représentait encore 2 collations au pain et au saucisson, plus 2 box sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entrouvertes comme s'il venait de descendre de cheval. Et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les jambes pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme assez défraîchie et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Quoiqu'habillé d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse. Un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée qui semblait mousser sur sa lèvre. Des yeux bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite. Des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne. Il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises de paille, fumaient la pipe sous les portes cochères. Et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l'avenue du Bois de Boulogne, pour trouver un peu d'air frais, sous les arbres. Mais un désir aussi le travaillait, celui d'une rencontre amoureuse. Comment se présenterait-elle? Il n'en savait rien, mais il l'attendait depuis 3 mois, tous les jours, tous les soirs. C'était un extrait de Belle Amie de Maupassant. Bonjour, je suis Marjorie Puzel, guide médiatrice au musée départemental du textile à l'Abbatie de Rouairoux. J'ai choisi cette année pour la nuit de la lecture de vous présenter un extrait de L'art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées. Et encore, je raccourcis le titre, qui est un petit ouvrage écrit par Émile Marcot de Saint-Hilaire, dit le baron de Lempezé. Alors ce petit livret, dont la paternité est bien souvent injustement attribuée à Honoré de Balzac, qui, dans un premier temps de sa carrière, pour avoir exercé le métier d'imprimeur, fut certes à l'origine de sa création. Ce petit livret nous présente l'origine du mot « cravate ». Sachez, pour la petite anecdote amusante, que dans cette série de livrets, il y en a un qui contient donc une thématique sur l'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, et il y en a une autre sur l'art de ne jamais déjeuner chez soi et de toujours dîner chez les autres. Bonne fête de la lecture! On se lassa peu à peu en France et dans une partie de l'Europe de la nudité du cou, et plutôt encore par luxe que par nécessité. On le garnit, mais sans le serrer, d'une toile fine et empesée, dont fut surmontée la chemise, auparavant sans coller, chez les hommes comme chez les femmes, et qui retomba naturellement sur la poitrine, y étant fixée par des cordonnets de fil, ce qui par la suite donna l'idée des rabats de toutes espèces, sans néanmoins faire songer encore à ces liens chauds et épais dont on devait plus tard s'entraver la gorge. Les fraises gommées ou frisées, à un ou à plusieurs rangs, ornements incommodes, sans doute, mais nullement dangereux, eurent leur tour et durèrent tant qu'on porta les cheveux courts. On y renonça lorsque Louis XIII eut laissé croître les siens. Alors, les collets montés, les guimpes brodées à jour, les collerettes plissées, les rabats simples ou de dentelle et de point, environnèrent jusqu'au menton le cou de nos pères, dont ils couvrirent en même temps le haut des bras et les épaules. Et quand Louis XIV eut adopté ces énormes perruques, tantôt blondes et tantôt noires, qui laissaient à peine apercevoir le devant de son cou, tous ces brillants entourages firent place aux rubans,
aux nœuds de couleurs éclatantes que le roi galant s'y fit attacher le premier et que chacun, selon son rang ou son caprice, voulut bientôt y porter à son exemple. Jusque-là, il n'y avait eu que la frivolité et la mode était constamment restée innocente. Mais la voici qui devient nuisible en exerçant sur le cou une constriction et une compression dont jusqu'alors il avait toujours été exempt. En 1660, on vit arriver en France un régiment étranger composé de Croates, dans l'habillement singulier desquels on remarqua quelque chose qui plus généralement et qu'on s'empressa d'imiter. C'était un tour de cou, fait d'un tissu commun pour le soldat, et de mousseline ou d'une étoffe de soie pour l'officier, et dont les bouts argentés en rosette, ou garnis d'un gland ou d'une houppe, pendaient, non sans quelque grâce, sur la poitrine. Cet ajustement fut d'abord appelé une croate, et bientôt, par corruption, une cravate, ce qui eut également lieu pour le régiment, qui dans la suite et jusqu'à l'époque de la Révolution, porta ce nom original de Royal Cravate. Cependant, ce ne fut qu'après la victoire de Steinkerck que ce régiment prit ce nom fameux et que les cravates furent adoptées généralement dans toutes les classes de la société. Bonsoir, je m'appelle Camille Labessoy-Mas et je suis en alternance en tant que chargée de communication digitale dans le service de la conservation des musées départementaux du Tarn. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un texte de Jacques Prévert, un poème faisant partie du recueil Paroles, qui s'intitule « Je suis comme je suis ». En plus de la thématique du corps, selon moi, ce poème aborde aussi la manière et l'obligation de finir à s'accepter, cet habitacle et cette enveloppe charnelle qui nous accompagne tout au long de notre vie. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé, comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Claire Guillou, je suis chargée de programmation responsable du pôle des publics pour le service de la conservation des musées départementaux du Tarn. Je vais lire un extrait de « Pour un soulèvement écologique » de Camille Etienne. Cet extrait s'intitule « Désobéir pour ralentir » et il parle de la puissance de la désobéissance individuelle et de son impact sur le corps collectif, de l'impact que qu'une décision peut avoir sur un corps collectif. Désobéir pour ralentir. C'est l'histoire d'un vainqueur qui ne passera pourtant jamais la ligne d'arrivée. Le 22 août 1968, Bernard Moitessier se lance dans le Golden Globe, le tour du monde à la voile en solitaire par les trois caps, sans assistance et sans escale. Alors qu'il est annoncé futur vainqueur de l'épreuve, le navigateur qui vient de passer le cap de Bonne-Espérance pour la seconde fois envoie le message suivant. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. À défaut de marquer l'histoire d'une victoire attendue au Golden Globe, il la marquera de son refus. Il continuera sa longue route jusqu'à Tahiti pendant plus de 10 mois sans toucher la terre ferme. La longue route sera le titre du récit où il expliquera son geste. Je n'en peux plus des faux dieux de l'Occident toujours à l'affût comme des araignées qui nous mangent le foie, nous sucent la moelle. Et je porte plainte contre le monde moderne. C'est lui le monstre. Il détruit notre terre, il piétine l'âme des hommes. Il est facile de voir dans celui qui bifurque une fuite égoïste. Puisqu'on ne parvient pas à changer la direction du bateau, on quitte le navire sur les canots de sauvetage. Tant pis pour ceux qui restent. Et pourtant,
Ce geste est éminemment collectif. Leur fuite nous sauve aussi, d'une certaine façon. C'est qu'il y a de la place sur les canaux. Ce qui se joue dans ces chemins de traverse empruntés, c'est aussi incarner ce changement de cap, rendre concrète et tangible dès maintenant une autre manière de faire société. Ce geste s'inscrit donc aussi dans des projets politiques, collectifs, bien plus profonds que l'idée de vivre à la manière qui me convient. Corinne Morel-Darleux le rappelle d'ailleurs. Si elle est révélatrice d'un souhait de non-coopération avec un système prédateur et toxique, la désertion pour produire des effets doit se muer en stratégie politique, c'est-à-dire passer du registre de l'émotion individuelle à celui de l'organisation collective. Si vous désertez, faites-le avec panache. Il faut que ça ait de la gueule, que ce soit de l'ordre du « on se lève et on se casse ». Si on refuse de coopérer, alors il faut que le monde le sache. Qu'on ouvre la voie pour d'autres qui existent et qui hésitent encore. J'ai décidé de lire ce texte parce que pour moi, il s'inscrit et parle de notre programmation qui s'annonce pour 2024 qui portera sur les sports.